Allez, on repart. Direction Vallon-les-Flots. Vallon-les-Flots, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Hein. Donc, il va pleuvoir, donc flotte, donc orage, donc caillou. Ok, c'est de la montagne. Enfin, content que tu sois là aussi. Ah, je me retrouve mes camarades. Félicitations pour ton badge chrome. Je prie que maintenant, tu as l'intention de décrocher ton badge de bronze. Bah, tant qu'à faire. C'est râpé, le parcours est ravagé. Vise un peu ça, et toi répète lui ce que tu m'as dit. Tu as sûrement entendu parler de l'ouragan qui est passé dans le coin l'autre jour. Il a causé beaucoup de dégâts sur le parcours. Nous ne pourrons pas organiser le moindre tournoi ici avant un bon moment. Ah bon? La bonne nouvelle, c'est qu'il reste malgré tout une forme de golf à laquelle on peut jouer, même sur un parcours dans cet état. As-tu déjà parlé du golf tout terrain? C'est une forme de jeu particulièrement appréciée au golf de Vallon-les-Flots. À vrai dire, le golf tout terrain est une forme de jeu fort ancienne que nombre des plus grands golfeurs ont appris à maîtriser. Si tu veux les rejoindre au sommet, tu sais ce qu'il te reste à faire. Certains des meilleurs golfeurs jouent sur notre parcours malgré son état. Et même en golf souterrain, ils ont une qualité de jeu remarquable. Bien entendu, les pros utilisent aussi des coups spéciaux. Ils ont donc un sérieux avantage. On passe aux coups spéciaux. Allez, c'est bon, c'est du Mario Tennis. T'as peut-être vu Mario l'autre jour dans ce tournoi à la télé. C'était une magnifique occasion de voir un coup spécial en action. Certains de ces coups sont si puissants qu'ils peuvent même perturber les autres joueurs et envoyer valdinguer leur balle. Ah, voilà qui devient intéressant. Vraiment, on peut envoyer valser les autres joueurs et leur balle sans pénalité. Faut absolument que j'essaye ce golf tout machin, moi. Si je savais utiliser l'énergie pour frapper les coups spéciaux, je vous l'apprendrais bien, mais je suis juste là pour l'accueil, moi. Je me plains pas, hein, non, chacun sa vie, je suis super fan de ce sport. Mon boulot me plaît, je peux même voler un petit peu. On s'en fiche de ce dialogue. J'espère que vous essayerez le golf tout terrain. Presque tous les coups sont permis, tant que ça peut vous faire avancer. Bonne chance. Ok. Je vais pas lire tous les dialogues comme l'autre fois. Je regarde juste la map. Ils ne mettent pas plus que ça. Bon. On est bien à Vallon-les-Flots. C'est une certitude. Il y a des masques de partout, il y a une boutique. Oui, je veux acheter. Réduit la consommation d'endurance lors des sprints spéciaux. Réduit la perte de vitesse dans les pentes. Allez, on change de tenue. Et ça, on verra après. Ça coûte de plus en plus cher, j'ai l'impression. Ah, d'accord. C'est par la suite qu'on pourra acheter à boire et à manger. Practice. Pardon, pardon, je passe. Là, c'est bloqué. Verrera Scott. Vers Rocadune. Je peux y aller? Je voulais aller par là. Je ne peux pas te laisser passer. L'ouragan l'autre jour a coupé la route. Pourquoi tu regardes le bois? Il n'y a pas grand monde par ici. Il va falloir nous débrouiller tout seul pour remettre tout en état. Pas moyen de s'inscrire au tournoi en ce moment. Parcours principal. Ok. Alors, on va changer de tenue. Réduit la consommation d'endurance, réduit la consommation d'endurance. Bonjour, alors toi d'abord. Je te recommande d'emporter cette club, ok. Ah, attends, relis-moi ce que tu... Attends, j'ai pas tout lu. Cette club. En golf tout terrain, il y a souvent des dénivelés importants. Alors, tu as besoin de clubs qui puissent envoyer la balle bien haut. Deux joueurs judicieux, un fer 9. Et un approach wedge, car ce sont des clubs qui ont un loft important ainsi qu'une portée correcte. Fer 9, approach wedge. Fer 9, je l'ai. Plutôt approach wedge. Tu viens de t'inscrire pour une partie de golf tout terrain, bah écoutez. Ce sera la première fois, oui.
Une partie d'entraînement, 14 clubs, non, je garde 7. Voulez-vous changer d'équipement? Non. Dès que tu seras prêt, rends-toi au portail d'accès. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. Bah, tu crois me confirmer. Parti, tout est là. Vous devez terminer 3 trous en 20 coups maximum. Attends, 3 trous en 20 coups? Si vous rencontrez des tornades, pas de panique, elles font partie du parcours. Oh bordel, veux-tu avoir quelques explications sur les coups joués dans une pente? Ouais, vas-y, tant qu'à faire. Un coup frappé en terrain plat aura par défaut une trajectoire droite. La joue est puissante et aussi représentée droite. La trajectoire d'une balle jouée sur un lit en montée tendra à dévier à gauche. La jauge est donc si incurvée à gauche. Montée à gauche. Quand c'est en descente, ça va vers la droite. Incurvée à droite. Plus la pente est prononcée, et plus cela fera dévier la balle. Une piqûre de rappel n'est jamais mauvaise à prendre. Ah oui, en effet, il y a des tornades. Ok. Alors, la carte. Ça a l'air d'être plus en hauteur. Il y a des tornades, on les voit bien sur le terrain. Et je vois les prochains drapeaux. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Un petit peu. C'est quoi? C'est des moutons en face? C'est quoi? C'est des cailloux? C'est des gros lemmes, des racailloux? Ce sont des... Non, des cailloux de chez Mario. Je sais plus du tout comment ça s'appelle cette créature. Comment ça, deuxième coup? Ah, j'ai pas besoin de courir, d'accord. Oh, bien. Le petit retour caméra là. Ensuite, il faut que j'aille là-bas, en descente. J'ai le droit de taper très fort. Ah oui, la batterie faible, c'est bien une manette. On va aller par là. Je vais aller sur le green, c'est peut-être mieux de faire ça. Mais eux, ils vont me gêner là. Ça passe? Ah non, j'ai pris la tornade, d'accord, ok. La tornade m'a fait aller un tout petit peu plus loin. Trop fort. Quoique avec le vent. Oh punaise! Dommage. Il me reste 13 coups. Il faut que j'aille là-haut. Ok, bah je vais viser la tornade. Hein. Oui, la tornade. C'est un échec complet. Là-bas, on réessayera de viser la tornade. Ça passera pas. Je vais avoir du mal à viser l'autre tornade. À moins de faire un truc vraiment. Ouais, voilà.
Bah, au moins, il y a des effets. Ça passe ou pas? Et je fais comment, moi, maintenant? C'est bien beau, je me rapproche, mais le truc, il est là-haut, quoi. Oui, oui, oui. Et non. On va faire comme ça. Allez, oui. Vite, l'autre tornade encore, l'autre tornade. Non. Non. Ah, c'est dur en fait. Je pourrais faire ça. On va faire ça, ouais. Je m'éloigne. C'est volontaire. Et là, est-ce que je peux pas grimper quelque part par là, là? Il me reste 6 coups. Je suis juste suivre le jeu. Hein. Le jeu me dit... Oh purée, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Punaise. On va taper là-bas. Ah mais il y a des nuages en plus. Ça passe ou pas? Je crois que oui, c'est passé. 19e coup. Ah. Et pourquoi zone à pénalité? J'ai pas compris. Tout ça parce que j'ai voulu aller... J'ai pas le droit d'aller de l'autre côté. Oh, punaise. Il va falloir que je recommence. Et voilà, c'est pas bon. Petit bunker, là. Très fort. Et non, ça suffira pas. Ah, c'est très très dur. Bon, je gagne quand même des pièces. Te surprendre simplement grâce à ta montre connectée, je peux consulter tes données de jeu. Je peux ainsi t'aider où que tu sois. Non, je ne te surveille pas. Ce n'est pas évident de jouer au golf, non. Le golf souterrain est une forme de jeu particulière. C'est assez différent du golf standard et ça exige de l'entraînement. Oui, bon, on y retourne. Oh ! Obligé de repasser par là-bas ? Allez, pardon, Goomba, je passe. Ah, mais je l'ai lu, ça.
En golf tout terrain, vous avez 2 minutes pour jouer votre coup et rejoindre la balle. Sinon, vous êtes coupé d'un coup de pénalité. Mais c'est pas le même truc que tout à l'heure. Attention. Ah si. C'est parti. La batterie. Allez, je reviens, je vais changer la batterie. Enfin, la manette, du coup. Hop là. Toujours avoir une manette bien chargée sur soi. Hop là. Tac. Voilà. Ah mais si, il faut fuir. C'est pas la même chose que tout à l'heure. C'était tout à l'heure, c'est juste de le practice. Ma balle. Trop long. Oh. Ah d'accord. Et maintenant? Alors le trou il est... Oh punaise, c'est celui tout à l'heure. Qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. Ah, je peux casser les... D'accord. Trop fort. Hop, attends. Non, en fait, ça va. Hop là. Voilà. Et là, ça va être la galère. Là... Là, ça va être une horreur. Alors. Je vais aller tout droit. Au maximum, tout droit. Voilà. Là. On continue. Tout droit encore, ça me plaît bien. Voilà, et maintenant oh punaise. Et maintenant, ouais. Oh, si je peux. Il faut que ça fonctionne. Il faut vraiment que ça fonctionne. Ça passe ou pas? Oh, trop bien. Je peux grimper? Ouais. Et là, ça va être une horreur. Je vais taper là-haut. Je sais pas si ça va être bon. Où elle va ma balle? Je peux aller dans les tornades ou pas? Ah oui. C'est rigolo ça. Il me reste 9 coups. Mais normalement j'ai bien calculé. Ça devrait... Ah non, il y a encore un étage.
Il y a encore un étage. J'ai pas le droit d'aller par là. Punaise, il y a encore un étage. Pour que la tornade m'aide. Non, ça suffira pas. Je vise là-haut. Elle bouge la tornade ou pas? Non, parce qu'en fait j'ai un coup à faire. Voilà. Soit je vais la... Je peux tenter. Ouais, ça va rebondir. Alors si je vais... Oh punaise, comment je monte? Ça passe. Oui, mais moi je passe comment? Okay. C'est bon. Je suis sur le même étage. Donc... J'espère que je suis sur le même étage. Oui, c'est bon. Il me reste 5 coups pour aller au trou. Ça devrait aller, je pense. Ah, il y a des arbres et tout qui sont coupés sur la route. Ah, vous êtes sympa, vous. Eh oui, trop à droite, du coup. Bon, au moins, je suis pas mal du... Je suis proche du drapeau. Voilà. Yes. Joli. Pourquoi t'es là, toi? Oui. Faut en refaire une. Trous sans dépasser 30 coups. Vous pouvez jouer les trous dans l'ordre de votre choix. En golf tout terrain, attention au chronomètre. D'accord. J'ai 6 trous. Il faut que je choisisse bien ce que je veux faire. J'espère qu'il va pas y avoir un drapeau en plein milieu attention. De l'eau. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière moi. Oh, il est violent le sixième derrière moi. Ok.
pense que je vais les faire dans l'ordre où ils apparaissent devant moi. Et oui, trop fort, oui, bien sûr. Ça, c'était pas mal, ça. Voilà, bon. Et d'un. Je vais pas viser lui, non. Je ne veux pas. Je vais viser lui. Là-bas. Il y a moyen de faire quelque chose. Trop fort, je sais pas. Non, c'est pas. Je tombe là, c'est ça? Ok. Le drapeau, il est où? Oui, c'est celui-là. J'espère que c'est celui-là. Oui. Bon, ça va. Là, c'est simple. Ok. Et de deux. Ensuite, c'est lequel que je veux faire. Je pense qu'il va plus falloir que je la fasse lui. Ça va être une horreur. Parce que lui, là-bas... Non, faut que je fasse lui d'abord. Je peux pas monter d'une manière autre. Et non, parce que j'y ai pas accès. Je suis obligé de passer par là. Zut. Allez, cours, petit bonhomme. T'as pas pris de la tornade? Ah, ça va être handicapé, ça. Il a pas pris la tornade, ça va m'handicaper. À moins que... Si je passe par là... Et non, parce que là, je suis hors limite. Comment je vais faire? Je peux tenter un truc comme ça, en faisant très très fort. Peut-être. Où elle va la balle? Non! Oh punaise, elle va pas là où j'ai envie. Donc. À la base, il y a les deux là que je voulais faire. Soit je fais ça de manière très très forte. Ah, mais je prends le caillou. Là, je prends le caillou là. Bon, et là, n'en parlons pas. Là, c'est pire, je prends encore plus le caillou. Bon, c'est complètement raté. Oh non. Ça passe? La balle est passée. Ah ouais. Il va tranquillement, pas trop fort. Sans tomber, ce serait l'idéal. Hop, oh, punaise. Il me reste 17 coups pour faire 3 trous qui me posent problème. Alors, soit je fonce là-bas, et en fait, ce serait le mieux. Mais alors lui là, je sais pas comment je vais me débrouiller. Du coup, je vais devoir... Comment je vais faire? Parce que là, je suis obligé de prendre... Et ouais, il faudra prendre la tornade.
pas fonctionné. Oui. Oh punaise, ça passe. Hop là. Anis. Trop fort? Pas de beaucoup, non? Non, c'est bon, ça va, c'est pas si fort que ça. Voilà. Ok. Et maintenant, ouais, voilà. Ok, ça prend pas le caillou. Elle est passée ou pas? Oui. Là, il faut à tout prix que je prenne la tornade. Donc, je vais faire ça. Oh, purée. Faut que je prenne la tornade, là. C'est bon pour la tornade. Non, c'est pas bon en fait. Ok. Je tente un truc. Voilà la balle. Je peux passer moi. Ça m'arrange. Oui. Ok. Bon, maintenant faut aller là-haut là-bas. Il me reste 9 coups. Hein. Faut pas que je redescende. Si je redescends, c'est mort. Ok. Yes. Allez, plus que un. Un seul trou. Tellement dur. Il va pas falloir que je vise trop. C'est en descente. Il n'y a pas d'eau. On est d'accord. J'espère que ça passe. Il n'y a pas d'eau. Je suis dans le bunker. Ah, j'aime pas cette sensation de tomber comme ça. Ouais, je suis dans le bunker. Aïe aïe aïe, trop fort. Joli, joli rattrapage. Ah merci, c'est gentil. Bon, j'ai un peu de temps, je ramasse des pièces. Voilà, tout bon à prendre. Voilà. Et là, il faut faire ça. Yes. C'est pas mal. Ça fait 6 en 30. 30 divisé par 6. 24. 6 fois 4. 24. Ouais, ça fait une moyenne de 4 coups par drapeau. C'est pas mal. Je vais augmenter mon endurance.
Voilà les résultats tout à fait corrects. Tu vas à présent pouvoir participer à la partie de qualification en golf tout-terrain de Vallon-les-Flots. Si tu y joues suffisamment bien, tu obtiendras le badge bronze. Reste bien concentré et tu as de très bonnes chances de succès. Évidemment, le parcours n'est pas encore en état d'accueillir un tournoi officiel. Malgré tout, la fédération a autorisé la tenue d'une compétition de golf tout-terrain qui te permettra de passer au badge supérieur. Rends-toi au comptoir des informations. Eh bien, c'est ce que nous allons faire de ce pas. Quand tu voudras aller te coucher, va au dortoir en empruntant la porte droite. Ah bien, on va dodo, oui. Ah, c'est pas un hôtel comme l'autre fois. Ah, c'est nul. C'est un fou RPG. Allez, direction le portail d'accès. Terminer tous les trous en 40 coups maximum. Une fois la partie lancée, il faut appuyer sur X pour la configuration du parcours. Okay. J'espère qu'il n'y a pas la flotte. Hein. 9 trous, 40. Ouais, 40, ça va être un 9 trous. Attention. C'est parti. Alors attendez, il y a. Derrière moi, en face, ici, ok, il n'y a pas tout coincé. 1, 2, 3, 4, 5, et après ils sont tous au fond là-bas. Je vais commencer par derrière moi, je pense. C'est mieux. Ah, mais il est en pente, attendez, il est en bas. Oh, punaise, il est tout en bas. Je le tente quand même. Pas trop fort. On est quand même en pente. Voilà, je suis allé pas trop fort, mais on est quand même dénivelé quoi. Ah, punaise. Ok, ça c'est fait. Et d'un. Plus que 8. Là, ça va être une autre affaire. Alors là, il faut que je remonte. Donc, on va aller là. Elle est passée, la balle? Oui, elle est passée. Pardon, excusez-moi. Merci. Alors, je veux aller où? Soit je vais là-bas. Je pense que l'idéal serait de monter, de faire les deux ici, puis de redescendre. Et après de partir en face. Il n'y a pas une tornade dans le... Elle est derrière moi la tornade. Pas trop fort. Pas trop fort, et qu'est-ce que je fais? Je vais trop fort. Ne tombe pas, s'il te plaît. Ne tombe pas. Non, ça va. Eh bien, ça c'est fait. Ensuite. On va où? Attendez, parce que là, il faut que je me repère. C'est le jeu, je crois. Ouais, c'est là que je veux aller. C'est ici que je veux aller. J'ai peut-être pas fait le bon choix là. Ouais, c'est bien ce qui me semble.
J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que je fais? Tornade? Je tente la tornade. J'aurais dû taper plus fort. Attends, plus. Non, c'est pas plus. C'est pas X, c'est pas Y. C'est moins. Bon. Qu'est-ce que je fais? Soit je vais là. Soit je fais ça. Je pense que là tout s'est passé, je suis pas sûr. Ok, nickel. Dans le bunker, mais c'est pas grave. Maintenant, on revient là. J'ai les deux d'en bas que je lui ai dit que je voulais faire. Et après les trois d'en face. Du coup, on va bien faire les deux d'en bas. En passant par là. Non! Non! Oh non! Oh non, pas ça. Non. Ah non, 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 non. C'est pas bon, ça. Ah, punaise. Ah, punaise, punaise, punaise. Bon, on va foncer là-bas, tant pis. Hein. Eh oui, forcément, à la branche. Ah, oh, purée. Ok, c'est bon. J'espère. Ah, mais oui, le vent. Ah ouais, mais le vent, il était pas dans le bon sens. Ok. Soit je le tente comme ça. Et en vrai, on va le tenter comme ça. Ok, c'est bon. Et je monte comment après? On peut monter là? On peut pas monter. Comment je monte? Il est là-bas. Nickel. C'est pas trop fort, en fait. Tombe pas. Okay. Ça commence à devenir craignos pour les coups là. Il me reste 18 coups pour 4 trucs. Oh. Par où est-ce que je vais aller? Sachant que là c'est un canyon. Faire le canyon en dernier. Donc je vais aller sur ce trou en face. Je vais aller sur le trou en face là-bas.
C'est hyper chaud comme parcours ça en fait. Hein. Où est-ce que j'atterris? Excusez-moi. Ah! Par là. Comme ça. Hop hop hop, demi-tour. Oh, demi-tour. Merci. Voilà. Alors, oh purée, je me suis mis dans l'angle du caillou quoi. Ça va être tendu. Salut Wedios sur le chat, comment il va? Il a passé un bon week-end? Ouais, je pars par en bas. Je vais me donner un tout petit coup en arrière, comme ça là. Tac. Non, j'ai dit un petit. Oh là là, ça va. Et maintenant, on va. Non, pas par là, non. Par là. Tout droit par. Ah mais si, mais... Attends, j'ai encore un étage à monter, c'est ça. Y'a pas une tornade qui traîne dans le coin, là? J'ai encore un étage à monter. Ça va, BG? Ça va, tranquillement. Week-end productif. Pour l'instant, j'ai toujours pas pris de repos, il serait bien... On prendra en juillet. Mine de rien, entre gérer l'assaut, la com, l'admin, et streamer tous les jours exceptionnellement pour ce mois-ci, je dois reconnaître que le rythme est difficile à tenir. Mais ça va, y'a pire, je me plains pas. Je pourrais être maçon sur les chantiers, et je me plains pas. Je dis ça, mais je l'ai fait une fois, une journée, j'avais fait non, je peux pas. Je fais une journée d'essai en maçonnerie, je fais non, c'est mort. J'étais crevé à la fin. Alors, ensuite. Il me reste 14 coups. Hein. 14 coups, et il y a le caillou en plein milieu. Il manque Kikine le caillou là. Il y a les arbres aussi. On va aller par là-bas. Ah oui, j'ai pas du tout avancé quoi. Bon, mais en fait, j'ai perdu. Clairement, j'ai perdu. Aïe, peut-être trop. Aïe. Non, oui, le caillou m'a sauvé la vie. Oh punaise. Le caillou m'a sauvé la vie. J'espère que je prends pas la tornade. La tornade c'est pour après. C'est bon. Ah c'est à côté. Ok. Bon maintenant faut que je prenne la tornade. Je suis obligé de prendre la tornade. Il me reste 3 drapeaux, c'est ça? 3 drapeaux en 9 coups. Ça veut dire que je dois aller au-dessus, puis au fond, et après au milieu. Oh l'horreur! Ah punaise! Même ce mini Jay qui est beau! N'importe quoi! Voilà. Je vais vraiment finir par croire que tu me fais des vats d'avance, hein, ouais, Dieu. Bah. Non, sérieux, la balle? C'est quoi cette trajectoire de balle? Presque fait rougir le streamer. La barbe cache ses effets de rougissement. Elle passe, elle est où la balle? Non, sérieux, mais.
fais comment en fait? Comment vous voulez que je fasse, Nintendo? Nintendo Mankikin. Alors. Sept coups. Bah c'est mort, je peux pas y arriver. Sept coups. Ou alors, je vais en arrière. Il y a une tornade après derrière ou pas? Mais il est méga loin le drapeau en plus. Je fais 1, 2, 3, 4. Non, en 7 coups c'est pas possible en ce sens là. Si je fais... Et non, je dois me tenir à partir sur lui, hein, mais vraiment. Bon, je reste en bas, on va voir si elle descend. Elle est où? Je déteste ce jeu. Oh punaise. Sandra. Voilà. Comment je passe? Dans quel ordre il faut les faire dans ce cas? Si dans cet ordre là ça passe pas. Je viens du fond là-bas. C'est dans quel ordre qu'il faut les faire? Parce que le celui à gauche là il est méga loin. Il me reste 5 coups, mais en 5 coups, je peux rien faire. Tant pis, j'insiste. Hein, mais... S'il te plaît, prends-toi la tornade, pour une fois. Je suis d'accord avec ça. Et non. Bon, ben... Demi-tour, hop là, c'est bon. C'est passé? Ah non. Ah mais là, ça sert à rien ce que j'éloigne la balle. Peut-être pas autant. De toute façon, il me reste deux coups, donc je sais que c'est mort. Mais on va faire avec. On va faire avec. On verra bien. Il y a un caillou, c'est ça? C'est pas vrai qu'il y a un caillou. Eh oui, il y a le caillou. Bah oui, c'est évident. Bon, allez, pour terminer ce. Le dernier coup, on va le mettre dans l'eau. Juste pour dire j'ai mis une balle dans l'eau. On va aller tout au fond là-bas. Ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. Je crois que j'ai jamais vu une balle qui a autant volé. Et la balle n'est pas dans l'eau. Voilà. Bon, alors comment faire pour faire... 9 drapeaux en 40 coups, sachant que c'est en plusieurs étages, que je suis obligé de jouer avec les tornades, avec les courants d'air. Heureusement que je pensais que c'était un jeu de chill, mais non, pas du tout. C'est un jeu où il faut réfléchir, où il faut être stratège et il faut être sportif. Moi, sportif. Ouais. Bon. Bien sûr, il peut pas y avoir de Solus, le jeu vient de sortir. Ah, tu n'as pas pu montrer ce dont tu étais capable cette fois-ci. Merci, vas-y, enfonce le clou, Todd, vas-y. Bien sûr que je recommence. Pardon, Goomba, je passe. Merci.
40 coups, 9 drapeaux. J'étais bien parti en plus, j'étais vraiment bien parti. Mais l'ordre pose problème. Faudrait que je fasse les difficiles en premier. Attention. Oui, attention. Donc c'est-à-dire que celui qui est derrière moi. C'est parti. Je le laisse là. Vraiment celui qui est derrière moi. Je le laisse par terre. En plus, c'est celui qui est sur le plus bas étage. Donc. Je vais prendre la tornade ici. Je vais au drapeau d'en face. Ensuite, je vais au drapeau encore plus à droite. Ensuite. Mais ils sont à Pétaouchnok les derniers là. Bon, je vais déjà faire les deux que j'ai dit. C'est-à-dire lui. Il faut vraiment que je prenne la tornade. Vraiment que je la prenne bien. J'espère la prendre. Ok, elle a été. Perdu un coup. Et là, il y a le caillou, il va me gêner. Là, bien sûr que le caillou, il va me gêner, sinon c'est pas drôle. Tornade ? Non ? Et non. Bon. Et si je fais comme ça ? Pardon, excusez-moi, je passe. Encore plus lent. Allez, on peut le faire. Allez. Allez, papy. Voilà. Tac. Tornade. C'est passé. Et on se calme, gros lème. Ok, c'est passé. Ok. Bon, carte. Donc je vais là-bas. Les pièces au passage, hein. C'est toujours bien à prendre. Voilà. Ils sont là. Il faut viser tout droit. Il y a un peu de vent. Sur le green. Et oui, sur le green. Je vais rattraper un coup ici. Je suis un peu loin, mais ça peut le faire. Dégueulasse. 50 cm. Oh purée. 50 cm. Bon. Maintenant que ça c'est fait, où est-ce que je vais? Non, celui-là non. Celui-là j'ai dit en dernier. Celui-là j'ai dit plus tard. Donc. Faut que j'aille là-bas. Pour aller là-bas, je vais viser ici. Pour me rattraper à la vie. Non, alors non, je pense que je voudrais. C'est pas ça. C'est celui-là. Tac. Là, j'espère ne pas me prendre le sapin qui est par terre. Non, ça a l'air d'être pas mal. Force ça. Oh non, j'ai pris le mât. Oh. Merde. Il y a du vent sur la droite. Ok. Celui-là, j'ai dit plus tard. Attendez, je sais où que j'ai dit plus tard. Celui du fond là-haut maintenant, j'ai dit plus tard, celui-là j'ai dit plus tard, celui-là j'ai dit plus tard aussi. Donc, maintenant on va au fond. Pour aller au fond, attendez, je suis sur quel étage? Sur cet étage-là. Je continue tout droit, je vais au fond du canyon. Ensuite, ou alors faudrait que j'aille d'abord tout là-haut. Pour aller tout là-haut, je fais comment? Il y a moyen de le faire, le truc? Ah, il y a une tornade là. Je pourrais prendre cette
Je vais prendre cette tornade là. Je vais la prendre. Yes. Yes. Ok, c'est bon. Et de peu quand même. Hop là, je vais. C'est quel étage? C'est l'étage d'ici. Donc je vais tout droit là. Il souffle dans ce sens. Attends, dans ce sens là. Est-ce que j'ai le droit de passer là-bas? C'est ça le truc. Je sais pas en vrai. Je tente, mais. C'est passé? Et non, c'est pas passé. Et non, oh mais. Ah oui, mais positionne-toi juste là aussi. Bravo quoi. 15e coup. Ça devient dangereux là. Petit coup, tout petit coup. Voilà. Ensuite, je me mets là. Je fais demi-tour. Complètement demi-tour. Et là, faut viser tout droit. Et il faut que ça passe. Aïe. Hop là, bonjour les nuages, excusez-moi. Alors d'ailleurs, c'est mal poli, c'est... Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis sur le green là. Rien que sur le green. Green à 17 mètres. Presque. Presque. Légèrement trop fort. Et je vais me décider, je vais me viser, oui. Non mais faut pas déconner non plus. Oh punaise, mais il y a un rebond là. Bon, quand même. Il me reste 18 coups pour faire 6 drapeaux. Et là, il faudrait que je fasse en premier celui qui a à l'étage, donc c'est-à-dire celui du milieu là sur l'écran. Celui qui m'a posé problème tout à l'heure. Je sais pas ce que ça va donner. Je peux pas me planter quoi. Dans ce cas, si vu que je peux pas me planter, on va faire ça. Et je prends l'arbre. Et oui. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Et là c'est bon. Le nuage ne souffle pas, s'il te plaît, le nuage ne souffle pas. Sinon je suis dans la merde. Vas-y, souffle. Il me reste 15 coups.
Oh putain. Oui c'est ça, réjouis-toi, mais il reste 12 coups pour trop de troupes. Donc là. Ah, il y en a un derrière moi. Il y en a un derrière moi ici. Ben, c'est lui que je vais viser, hein. Passé, ouais. Le nuage il a été. Mais je suis beaucoup trop loin, j'ai visé beaucoup trop loin là. Ouais, bah alors là, je les ai visés n'importe comment. Ok, ça c'est fait. Il me reste 8 coups. 8 coups pour 4 drapeaux. Et oui, mais comment je passe? C'est ça la question, comment je passe? Parce que là, je me prends un caillou, là. Je viens le tenter, mais... Oh punaise, ça passe. Je peux grimper ou pas? Ah non, je m'en fiche, c'est indécent. Yolo. Yolo. Alors. Trop fort. Beaucoup trop fort. Bon, moyennement trop fort en fait. Non. Bon. Il me reste 4 coups pour 3 drapeaux. Hein. Je pense que je tiens mon parcours et donc l'ordre des drapeaux. Mais il faut que je sois plus précis dans mes tirs. Bon, c'est mort hein, pour ce try. Mais je tiens quelque chose. Quand même une montée. Oh, elle est super bien passée. Enfin, super bien passée, elle a été bien visée. Bon, 6 drapeaux, c'est pas mal, il y a du mieux. Il y a quand même du mieux. Faut juste que... Ouais, faut vraiment que je sois plus précis, quoi. Faut que je sois plus précis. Que je mette aussi plus d'effets. L'endurance, ça va, c'est pas trop le problème. La vitesse, ça me gêne pas vraiment. En tout cas, pas sur ce type de parcours. Là, j'ai vraiment besoin... de puissance et de précision.
Allez, on refait un try sur ce parcours-là. De toute manière, j'ai pas trop le choix. Et après, on s'arrêtera. Et on reviendra à 21h pour du Stardew Valley. Avec les camarades Imra, Nino et Yakipon. D'ici là, bien entendu, il faut suivre les réseaux. Il va s'en suivre un peu partout. Le Discord, Twitch, etc. Le crowdfunding en cours. Une nouvelle vidéo d'ailleurs qui est sortie aujourd'hui, liée au crowdfunding. Sur le dernier axe de l'association, qui est quand même le plus important au final, puisque c'est ce qui a fait la genèse de l'asso, c'est la radio. Donc, en gros, l'histoire de l'asso depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui avec tout l'axe radio. Donc n'hésitez pas à aller checker attention. Ça. Bon, reprenons. J'ai quand même un trou derrière moi. Et en fait, non, faut que je passe lui en premier. Hein. Je passe lui en premier. C'est quoi ce rebond nul là qu'il a fait le jeu? Trop fort. Ah, le mât, d'accord. Ok. Trois coups, un drapeau. Celui-là, ça me fiche un peu les... J'aurais pu faire à moi. En moins de coups. Là, il faut que je vise bien pour prendre la tornade. Yes. Mais où est-ce qu'elle va atterrir maintenant? Ça, c'est une autre affaire. Ah oui, elle est partie loin, loin, loin. Alors, est-ce que j'ai un drapeau derrière moi? Non. J'ai pas de drapeau derrière moi. Et je peux pas grimper. Faut que je revienne soit en arrière, faut que j'aille, soit que j'aille tout droit. Et vu que je ne peux pas grimper, je vais aller tout droit. Et techniquement, je pourrais, hein. Je pourrais la voir là. L'étage, un peu sur l'étage. Là. Ouais, voilà, c'est tout. Du coup, j'ai pas eu besoin de prendre cette tornade. En plus, je m'évite le bunker. C'est nickel. J'arrive pas à contrôler ce truc. Là, on va y aller tout doux. Comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ok. Maintenant, je peux tenter de remonter là-haut. En même temps, je vais pas remonter là-bas. Enfin, en bas, ça c'est clair. Je peux faire ça. Mais après, comment je vais aller celui-là dessus? C'est ça le truc. Je fais ça. Puis après, je vais sur la gauche. Je reviens derrière. Ah, ça me fait perdre un coup, hein. Ou alors, je vais chercher les trucs du fond. Je pense que c'est le mieux à faire. Hein. En vrai. Ça, je le laisse tranquille pour le moment. Et je vais chercher les trucs tout au fond là-bas. Ouais, c'est le mieux à faire. Je vais faire ça. Allez. Ah papa, doucement. Pièce. On passe par là.
lui là d'en bas. Donc c'est d'abord lui. Allez go. À fond. On laisse la fibre l'em. Tap. J'ai pris un sapin quand même. J'ai réussi à prendre un sapin. Faut le faire. Et là, je vais prendre l'autre sapin. Oh putain. Donc, dans ce cas, je vais taper à côté. Avec un petit effet. Ça va être trop fort, ça. Ah non, 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 ça va en vrai. Il y a eu un petit rebond, mais il a été utile. Bon, maintenant, il y a un peu de colline. Du coup, on fait ça. Tac. Pas trop fort. Ah mince, l'effet, il j'aurais pas dû le faire en fait. Bien. Celui-là, c'est fait. Et maintenant. Maintenant, c'est une autre affaire. Parce que lui, il va me saouler. Donc, je vais aller là-bas. Elle a pris la tornade ou pas? Oh punaise, elle a pas pris la tornade. T'aurais pu prendre la tornade, eh, franchement, t'es à côté. Je sais pas où elle va aller. C'est de la faire rebondir sur la droite. Yes, c'est bon, elle a rebondi comme il faut. Bien. Alors il y a un drapeau qui traîne ici. Il est là. On va le faire de suite. Pas dans le green. Oh parfait. Alors, concentration. Il y a un vent qui m'est favorable. Pas plus fort que ça. S'il fallait mettre un peu plus fort en fait. Il me reste 20 coups, je suis à la moitié de mes coups. Et il me reste 5 drapeaux si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, après il y a les 3 d'en bas là. Ah, les 3 du milieu. Attendez, faut pas que je me prenne le caillou ici. Du coup, je vais faire ça. Là, il va y avoir un rebond normalement sur la falaise. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'appelle un rebond, mais oui, pourquoi pas. Je prends les petites pièces. Bon, je passe. C'est celui-là qu'il faut que je vise? Oui, c'est celui-là. Normalement, en visant bien, ça passe. Sur le green. Oh cool. Allez. Le vent n'est pas avec moi. Bien. Ok. J'ai dit qu'il fallait que j'aille sur ça ici. On va le faire. Du coup, sur la gauche, quand même, pas où. Faut
Il faut pas que je la fasse tomber. Sinon, c'est la galère. Et. Oh punaise. Ah, là c'est vicieux là. Là, ça c'est vicieux ça. Je vais devoir faire ça. Voilà. Et là, on est bon. Trop à droite. Elle est dessus. Oh punaise, elle est dessus. Il y a les petits nuages là. Oh c'est bon. Doucement, Mario, Mario, comment il s'appelle, le Mi là. Enfin, le Mi, c'est moi en fait. Je pourrais m'appeler par mon propre nom peut-être. Alors, le vent est à contresens. Nickel. Il me reste 11 coups pour faire les drapeaux là-bas. Donc, je vais tout droit. Puis je reste au même étage et après je descends. 11 coups. En vrai, je suis pas content. Passer en vrai. Ça passe. Non, je suis pas sur le green. Aïe aïe aïe, ça m'handicap. Il me reste 5 coups pour 2 drapeaux. Bon, c'est mieux que tout à l'heure. Mais il faut que j'aille là-bas. Faut vraiment que j'aille là-bas. Et le vent est à contresens. Et il y a un bunker. La branche, ça va ? Non! Non! Punaise, non! J'aurais dû taper encore plus à gauche. Oh, je joue de la tornade. Il y a une tornade de l'autre côté, c'est ça? Et non, il n'y a pas de tornade de l'autre côté. Oh putain. 4 coups. Bon, bah 4 coups. On va faire ce qu'on peut. Hein. Eh ouais, là je l'ai pas tapé assez fort. Et là c'est trop fort. Dernier coup, il me manquera un drapeau. Il y a du mieux, mais ça suffit pas. 8 drapeaux sur 9. Bon. Il y a de l'amélioration. Mais il me manquait pas grand chose et c'est juste à la fin, là, je suis deg. Mais ouais, je pense qu'il m'aurait manqué un coup quand même. C'est dommage.
C'est vraiment dommage. Ouais. C'est dommage. Bon, ça a sauvegardé, c'est le principal. Comment on revient au menu principal? Voilà. Je m'arrête là. Oh, attends, c'est quoi ça? Dans les menus, match libre et défi en solo, vous pouvez à présent jouer avant l'onglet solo. Il ne tarde pas. Nous en étions à Vallon les Flots, je crois que ça s'appelait comme ça, hier. On va poursuivre. Et c'était c'était pas top, hein, faut dire ce qui est. Le parcours est ultra difficile. Donc on y retourne jusqu'à ce que ça fonctionne, du moins je l'espère. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il faut bien calculer les tirs, le parcours, la puissance, etc. etc. Donc on va voir. Oui, je passe, hein, les dialogues on les a vus. Du coup on passe. On les a vus hier, c'est pas la peine d'y revenir dessus. Parcours vraiment très difficile, il faut être très très technique. Donc hier j'avais dit, c'est comment la map, c'est comme ça? Hier j'avais dit quoi? Hier j'avais dit d'abord le drapeau du fond. Puis ensuite, on avance sur le drapeau du milieu, je crois, j'avais dit. Ou celui-là. Non, je crois que c'était celui-là d'abord. Hein. Ensuite, voilà, c'était ensuite on monte de deux étages. On suit au même étage. On va sur le drapeau le plus en haut ici. Puis on poursuit au fond du canyon. On remonte en haut à droite. On tente de passer le pont, on redescend et après on fait tout ce qu'il y a en bas que j'aurais potentiellement raté. Ok, du coup, c'est celui-là que je vise d'abord. Ouf, voilà, il n'y a pas besoin de viser trop fort, il est juste en bas. Après ça va être précis ensuite. Allez, on court. Voilà, il est sur le green directement. Celui-là, normalement, ça devrait aller. Si je peux le faire en un seul coup là maintenant en plus, ça peut être pas mal. Il y a un peu de vent, je vais mettre un peu comme ça. Trop fort, hein. Ah, nickel. Oh, parfait. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est chouette. Ensuite, j'avais dit, il faut que je monte d'un étage. Mais pour ça, j'ai besoin de prendre la tornade. Pour prendre la tornade, il va falloir être très précis. Donc, je fonce à fond. Il faut pas que... Oh, punaise, ça va être dévié. Non, ça va, elle monte. Pris la tornade, ça monte. Et je tombe. Non, je veux pas aller dans l'eau, s'il vous plaît. Faut pas aller dans l'eau. Et non, je vais... Mince, je retombe ici. Ça ne m'arrange pas. Bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente quand même la tornade? Parce que dans tous les cas, il faut que je monte à l'étage. Hein, de toute façon. Faut que je monte à l'étage. Donc on va le tenter. Ça passe pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas ok, c'est monté. Allez à l'étage, c'est parfait. Je monte aussi. Bon, j'ai perdu un tir. Hein. Hop là, je reviens ici. C'était ma base de départ. Ah, il y a une tornade derrière moi là. C'est intéressant ça. S'il y a une tornade derrière moi, parce qu'en vrai, s'il y a une tornade derrière moi. Je suis obligé de me prendre celle-là. Non, je vais me prendre celle-là quand même. Est-ce que ça passe? Non, je crois pas. Ouais, c'est pas facile. À rien, je suppose. Oh, punaise, ça s'est joué à rien.
Et forcément, fallait que ça aille sur le caillou. Sinon, c'est pas drôle. Oh, punaise, c'est sur le caillou. Petit coup, tout petit coup, on se sort du caillou. Alors, j'ai dit petit coup, j'ai pas dit... Pardon. Ouais, ma tornade derrière moi. Est-ce que ça passe si je fais ça? Non, là, je vais me prendre le caillou aussi. Du coup, je vais faire ça. Petite tornade, monte. Est-ce que ça suffira? Je sais pas, en vrai. Et non, ça suffit pas. Dans ce cas, tant pis, j'ai perdu 3 coups. Mais je peux pas me permettre d'en perdre plus. Donc, je vais aller par là. Et on va essayer de tirer en montée après. Oh, la précision sur ce jeu-là. Hop là, on va faire celui-là, il est à côté. C'est légèrement en pente. Oh non, c'est à côté. C'est dommage. Et ouais, mais là, lui, il va me poser problème. Et oui, à monter. Ouais. Donc, ah non, je pourrais passer par là-bas. Je peux tenter ça là-bas. En vrai, je peux vraiment le tenter. Il y a un peu de vent. Ça passe ou pas? Oui? Non. Mais non. Oh, c'est pas vrai. Au secours, quoi. Salut Imra, comment on va? Comme quelqu'un qui a finalement bossé cette nuit. Donc, couché tard. Donc, j'ai une heure de retard sur le stream de cet après-midi. En gros, voilà. Je suis pas content, mais c'est comme ça. Bon, on peut tenter de remonter là. Je fais n'importe quoi sur ce parcours. Ça passe ou pas? Oh punaise, c'est passé! Oh trop bien! Sans tornade. Et je vous montre comment moi déjà. Est-ce que je fais comme les chevaux dans je sais plus quel jeu? Comment on commence? Non, monte! Je suis un cheval! Comme dans Skyrim! Non, c'est pas ça. Bon, elle est où la tornade pour que je monte en fait? Bah oui, je suis bête, je peux prendre ça là. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, mais ces derniers jours, c'est assez fréquent. J'ai du mal à tenir le rythme. Faut dire ce qui est. Le mois est chargé en stream. Et pour autant, j'ai continué à gérer l'assaut derrière. Réunion, dossier, etc. C'est normal, fin de saison, préparation, début de saison prochaine. Du coup, j'ai un peu de mal. J'ai laissé un peu de côté certaines choses de la vie. L'été devrait être plus souple. Il devrait y avoir moins d'administration. Allez. Non, c'est à côté! Je suis déjà presque à la moitié des coups et j'ai fait 3 drapeaux quoi. Bon, ensuite on peut aller en face. Alors pour aller en face par contre va falloir taper très très fort. Oh, non, je vais pas faire ça, je vais taper comme ça sinon je vais me rater, je vais clairement me rater. Tant pis, que la force soit avec toi. Mais oui maître Kenobi. Non, tombe pas. Allez. Oh punaise, j'ai pris le sapin coupé. Oh, j'ai eu peur qu'elle retombe. J'ai vraiment eu peur qu'elle retombe. Hop là. Où est le drapeau? Là, ici, il est là. Ouais, c'est pas... Ouais. Ouais, voilà. Trop fort, là. Ah oui, beaucoup trop fort même.
suspense. Et non, à côté, évidemment. En même temps, je fais pas gaffe au vent, là. Je devrais. Bon. Celui-là, non. Celui-là en dernier. Sinon, je vais être handicapé. Je suis où? Je suis sur cet étage-là. Il faudrait, idéalement, que je... Soit je reste dans le canyon, soit je prenne un étage. Qu'est-ce qui est le mieux? Il y a une tornade juste ici, mais je vais la rater. Ou alors, je prends la tornade d'ici. Et c'est ce que je vais faire. Mais faut pas taper trop fort non plus. Sinon, ça va aller dans la falaise. Ça passe ou pas? C'est passé, oui! Hop là! Alors non, par contre, je voulais pas monter plus que ça. Excusez-moi. Les contrôles quand on est sur le turbo, c'est horrible. Je vais me diriger par là. Attendez. Ah, faut encore que je monte d'un étage, en fait. Je m'en rends compte. Tenter quelque chose par là-bas, là. Droite. J'espère ne pas me prendre la falaise. C'est bon, ça va. C'est pas mal. Alors non, je vais toujours par là-bas. Comment c'est fichu le terrain? Attendez. J'ai la tornade qui est juste là. Il me reste 17 coups hein, pour beaucoup trop de drapeaux. Ça va être tendu. Je vais faire ça. Je vais faire droite. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok. Dans ce cas... Hop là, stop. Bon, alors non. Pardon, excusez-moi. Mais... Contrôle sur 20, ce jeu. Voilà. Oh punaise, il y a encore un mur là. Hop là. On passe ici. Voilà. Il est en cours. Tout ça pour revenir ici. Bonjour. Et c'est juste ajusté. Ensuite, je suis là. Du coup, je vais par là, oui, en effet. Je vais me prendre un sapin. Je crois pas. Non, c'est bon, ça passe à travers. Hop là. 15 coups. Ouais, non, c'est mort. C'est dommage. Je vais passer par... Si je tape trop fort, je prends le caillou, là. Non, ça va. Est-ce que je suis sur le green? Je suis même trop loin, en fait. Je suis trop loin. Non, je suis dans le bunker. Ah non. Légèrement à gauche. J'ai dit à gauche et pensé à droite. C'est pas grave. Joli. Il y a du vent en face de moi. Oh punaise. Il me reste 9 coups pour faire 4 drapeaux. Et je vais... Faut que je fasse d'abord celui qui est... au milieu ici. Donc je vise par là. On y croit. Non ! Non ! Non, 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 non ! Non, punaise ! Zut ! Et comment je fais moi maintenant ? Ah, punaise.
Ah là 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 là. Ouais non, là je cogne. Par contre, je peux tenter. Non, ça va cogner aussi. Mais je peux tenter un truc comme ça. C'est très ambitieux. Et oui, forcément, c'était ambitieux. Parle. Allez, un tir dans le vent. C'est pas grave. On va passer par là. Tant pis. Hé, il est à côté, hein. En vrai. C'est pas le drapeau que je visais, mais c'est à côté. Voilà, celui-là, il est mis. Plus que 3 drapeaux en 7 coups, dont un qui est loin, vu qu'il est à l'autre bout, il est au fond là-bas. Bon, comment je fais pour monter sur lui? Faudrait que je vise au milieu là. Et oui, c'est ça, faut que je vise. Faut que j'aille là-bas, et après que je vise la tornade. Tornade. La tornade, elle est là. Et là, ça doit être un petit coup. Un moyen coup. Voilà, quelque chose dans le genre. Je pense qu'elle va aller, la balle. Elle a l'air de se poser au-dessus. Oui, c'est bon, elle s'est posée au-dessus. Elle s'est posée au-dessus, le drapeau, il est là. Là, faut que je fasse attention. Parce que ces deux nuages, bah, c'est pas mes amis. Je crois que c'est bon. Ne descends pas. Ok, alors toi, j'ai le vent un peu à contre-courant. Mais c'est pas possible à côté encore. Voilà. Ensuite. Il me reste deux coups pour deux drapeaux. Deux coups pour deux drapeaux. On va essayer de sauver l'honneur, hein. On va aller sur celui-là. Il est à 93 mètres, mais c'est en descente. Et voilà. Dernier coup. Et c'est à côté. Raté. Bon. Il va falloir que j'augmente quoi? Le choix que d'augmenter ça, tant pis. Bon, on y retourne, hein. On y retourne. Dans, vraiment, c'est très handicapant en vrai. Parce que là, si je fais pas ça, je suis bloqué pour le mode histoire en fait. Je n'ai que ça à faire dans le mode histoire. Je pourrais aller m'entraîner, mais c'est une perte de temps. Vu que je suis censé maîtriser ça, autant le spammer jusqu'à ce que ça passe. Attention. Bon, j'avais dit quoi, celui derrière en premier. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis lui en derrière? Il est vraiment... Ben, il est loin, quoi. Allez, faut que ça passe, comme tout à l'heure en deux coups. J'ai un peu de vent. Voilà, en deux coups, nickel. Et si je changeais mon parcours? En vrai, si je changeais mon parcours.
Dans tous les cas, je suis obligé de monter d'un étage. J'ai pas le choix. Donc. Ouais, je suis obligé de monter d'un étage en fait. Faut que je prenne la tornade ici. J'ai pas le choix. La tornade est prise. Est-ce que ça va en haut? Non, ça va pas du tout en haut. Alors maintenant que je suis là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens en arrière ou est-ce que je vais au milieu? Mais non, je vais aller au milieu. J'ai pas d'autre choix que d'aller au milieu en fait. J'ai tapé dans le truc devant moi. Punaise, méchant. Oh. J'ai perdu un tir pour rien là. Ça, ça me fout les boules. Bon, dans ce cas, ça passe. Punaise, c'est passé. Ça passe, j'ai pas besoin de tornade pour monter ici. Ça, c'est cool. C'est un faux plat. D'accord. Ok, celui-là il est mis. Je peux tenter d'aller en face. C'est pas bête en fait de faire comme ça. On va aller en face. On va aller en face. À ton bout. Oui. On est bien placé hein. Sur le cercle. Allez. Alors. Un petit vent. Yes. Et maintenant. La balle, elle est là. Si je veux aller à l'étage, ça va m'embêter. Donc, il faut que j'aille ici. Idéalement, il faudrait que j'arrive à monter. Mais je vais prendre la falaise. Donc, ouais, je vais passer par là. Je vais passer par là. On va prendre ça. On y va à fond. Et là, il faut que ça passe. Il faut croiser les doigts. Là. Je suis très très loin. Là. Ça a pris la falaise. Et ça passe pas. C'est pas passé. Je pense que ça s'est pas joué à grand chose. Comment je fais? Est-ce que dans ce cas, je peux taper là-bas? Ah, il y a moyen. Il y a grave moyen, ouais. Oui. C'est bien. Allez, on passe. Comme ça. On saute. On saute encore. Non, pas comme ça. Tac, tac, voilà. Ça c'est pas mal. Alors, là faut y aller tranquille. Ouais, quelque chose du genre. Ça aurait mérité un tout petit peu plus de force. On est à 20 contresens. Tout droit.
Oui. Bien. Maintenant, moi je me plante. Donc précaution. Je vais en face. Et à fond. Sapin qui m'embête là quand même. Où est-ce que je suis? Ouais, je vais plutôt viser comme ça. Faut que je passe légèrement au-dessus. Ouais, c'est pas mal. Je suis légèrement à contresens. Oh, dommage. Ok. On est à 5 drapeaux. Il reste 22 coups. Donc il me reste un poil plus que la moitié des coups pour faire les 4 derniers drapeaux. Sachant que les 4 derniers drapeaux, ils sont à Pétaouchnok là-bas. Et que là, si je veux les faire dans le bon ordre, j'ai besoin... Oh, mais il y a une tornade juste en face. Je peux faire celui du milieu là-bas. Ok, go. Ça change mon ordre de parcours que je pensais. Mais c'est... Je t'ai pas appelé, hein. Je suis assistant vocal. Là. Tout droit encore. Peut-être trop proche là. Ah, peut-être pas. Ça peut faire quelque chose avec la tornade. Je peux tenter quelque chose. Je fais ça. Un poil sur la gauche. Tornade. Et normalement ça passe. Oui. Pas tout à fait sur le green. Hein. Mais il y a un truc à faire. Alors attendez. Tranquillement. Voilà, comme ça au moins le souffle du nuage est passé. Et là, j'ai un peu de vent. Mais en fait, faut pas que je suive le vent, quoi. Il y a 6 mètres par seconde, ça a l'air d'être rien du tout comme vent. Il me fait avoir, hein. Non, t'es sérieux? Il me reste 15 coups maintenant. Alors. Non, celui-là, faut que je le fasse en dernier. Donc, faut que j'aille là-bas. Faut que je fasse lui en premier. Donc, je vais taper vraiment au maximum au fond. Allez, on saute. Voilà. Enfin, je me trompe, hein. Vaut mieux jouer la sécurité. Normalement, je reste sur cet étage, j'espère. J'ai un doute. Ouf, je vais pas passer loin. Je suis sur le green ou pas? Oui. Il va pas dans le... Je tapais un poil trop fort. C'est du faux plat. Oh oui, c'est bon. Ça passe. Il me reste 11 coups pour 2 drapeaux. 2 drapeaux qui sont là-bas. C'est le canyon.
L'autre, il est au-dessus. J'arrive pas à savoir si l'étage du drapeau du haut est en dessous ou au-dessus. Bon, dans tous les cas, je suis obligé de viser là-bas. Donc de viser ici. Je tape fort. Ça passe au-dessus. Ça passe ou pas? Oui. Sur le green. Allez. Oh non, à l'avant green. Alors. Il y a du vent directement dans le mauvais sens. Là, je peux me permettre de tourner un peu quand même. Ça va pas passer. Oh! Oh, trop bien! Salut Drago! Il me reste un coup et le drapeau, il est où? Il est en descente. Vous pensez que je me prends la falaise là ou pas? Il me reste 8 coups. Je tente comme ça, on va voir. J'arrive pas à voir si ça passe. Oui. Punaise, je peux peut-être réussir. Je peux peut-être réussir, oui. Et c'est pas passé loin parce que ça tombe dans l'eau, hein. C'est beau. Il vaut le coup ce nouveau Mario Golf, il me tente un peu. Alors, là pour l'instant je suis sur le mode histoire. Attends, j'appuie sur pause, ça va défiler sinon. C'est le mode histoire qui est quand même difficile, je trouve. Il est très technique. Alors, on est sur du moteur Mario Tennis. La musique, c'est clairement du Mario Tennis. Les personnages, c'est du Mario Tennis. Il va y avoir une histoire de pouvoir à un moment donné, donc comme du Mario Tennis. Néanmoins, Mario Tennis n'était pas du tout aussi technique. Donc, à mon sens, plus accessible. Où on était vraiment dans le vif du sujet, c'est on fait les matchs et puis voilà. Là, il y a une touche de RPG dans les déplacements, que ce soit sur les parcours ou entre les zones, parce qu'on peut aller entre les zones, il y a un petit village dans l'histoire. Donc ça change un peu. Et surtout... Il est extrêmement technique entre tous les différents clubs, toutes les différentes techniques, tout un lexique très très complet autour du golf. Donc c'est vraiment un jeu de golf très complet, très technique, mais à mon sens peut-être pas accessible au plus grand nombre. Après, pour l'instant, ce n'est que le mode histoire. Il y a le mode en ligne, bien entendu, avec les amis en multijoueur, aussi avec des gens du monde entier, où on a le choix entre juste aller taper dans le trou ou vraiment aussi se balader sur le parcours pour aller au plus vite dans le trou. Il y a plusieurs modes, c'est assez intéressant. Et on est plus dans le vif du sujet. Néanmoins, il reste quand même très technique. Où là aussi, il faut quand même avoir le bon choix du club. Bonne stratégie. Bon calcul. Il faut vraiment bien calculer tout ça. Voilà. Mais voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien, mais très technique. J'y jouerai pas tous les jours. Enfin, sauf en ce moment, parce qu'il vient de sortir. Mais sinon, j'y jouerai pas tous les jours. Bon, il me reste 7 coups pour un drapeau. Si je rate, c'est qu'il y a un problème. J'ai tapé trop fort. Ah non. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et c'est fini. Oh yes, avec 5 coups d'avance. Enfin, je vais pouvoir passer à la suite. C'est pas trop tôt. Passer du badge chrome au badge bronze. Ah, parce que c'était la compétition, ça? Ah mince. J'avais pas capté que c'était la compétition. Après jeu de golf arcade, j'y ai joué il y a longtemps à Pangaea, qui était dans le même délire. Mais ok, merci du résumé. Je connais pas du tout Pangaea. En jeu de golf, j'avais joué à l'époque sur la Wii à Wii Sports et Wii Sports 2, qui s'appelait Wii Sports Resort ou quelque chose comme ça. Que j'aimais beaucoup. Il était vraiment chouette comme jeu de golf. J'ai des mini jeux de golf sur téléphone. J'aime bien. Alors, j'ai jamais fait de golf de ma vie, hein, IRL, mais j'aime bien ce truc comme ça. Je trouve ça calme, en vrai. Sinon, un jeu de golf. Il y a des jeux de golf officiels.
ciel, hein, bien sûr. Mais bon, je trouve pas ça ouf. J'ai besoin de quoi? Plus d'effet et plus de vitesse. C'est vieux, genre 2005. C'était un genre de MMO golf très manga sud-coréen. Ah oui! Ah oui, c'est très spécifique. Toad, tu as magnifiquement bien joué, Jacques. Et d'ailleurs, tes résultats à la partie de qualification sont excellents. Je suis ravi, j'ai accouru ici pour assister en personne à ta partie de qualification et le spectacle en valait le coup. Ah, donc c'était la qualif. Et si tu ne l'avais pas déjà deviné à mes louanges, je te le confirme, tu as réussi, tu as donc ton badge bronze, félicitations. Mais c'était la qualif ou la compète, je sais pas. Prends le temps de savourer cette victoire, mais pas trop non plus, parce que pour moi, tu es prêt à aller affronter de nouveaux défis. J'imagine que tu voudras aller tout de suite à Roca Dune pour te préparer à la partie de qualification de leur tournoi. Mais malheureusement, touloulou, la route n'est pas encore dégagée. La maintenance avait concentré ses efforts sur le parcours, alors elle n'a pas pu encore s'en occuper. Tiens, j'ai une idée. En attendant, tu pourrais rendre visite à un ancien pro qui habite pas loin d'ici. Son nom est Maître Stinger. C'est quelqu'un d'assez original, mais il peut sûrement t'apprendre des choses utiles. Va donc le voir. J'étais tombé dessus et j'y mets au hasard. D'accord. Mais ouais. Mais du coup, ça m'intrigue un peu ton jeu de Rego. Vraiment. Practice. D'accord, donc on reste dans la même zone, ce qui m'arrange. Est-ce que je peux acheter des choses? Ah. Oui. Un altimètre indique sur le télémètre de la montre connectée le dénivelé. Ah oui, 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 j'achète, oui. Oui. L'altimètre permet de mesurer le dénivelé. D'accord. Appuyez sur R avant de jouer. D'accord. Si le point visé n'est pas à la même altitude que le lit de votre balle, le dénivelé s'affichera à l'écran. Ça, c'est cool. En bas de l'écran, un graphique représente les variations du dénivelé. Tiens, on a l'impression que c'est un parcours vélo que j'essaie de calculer quand je m'entraîne. Mais ça va, là, c'est du tout plat, ça. Ça, c'est du tout plat. Rien que de la gare à côté de chez moi pour venir chez moi, j'ai 60 mètres de dénivelé. En utilisant L ou les commandes par mouvement, vous pouvez voir en temps réel les variations de dénivelé sur le graphique. Ouais, bah oui, pour une balle de golf, ça influe beaucoup. Appuyez sur R pour obtenir des informations. Ok. Notez bien que l'utilisation de tout instrument de mesure est interdite. Ah, mais vous, encore une fois, le tuto, il est bloqué à l'écran. Oh, mais c'est nul. Pourquoi il y a cette censure? C'est pas du spoil, c'est un tuto. Je comprends pas, ça. Oh, bon. C'est pas grave. Je pense que ça n'existe plus depuis le temps, mais tu avais la notion de coups spéciaux. Avec jauge de spécial qui se remplissait en faisant un combo du style haut, bas, haut, bas, en même temps que taper dans la balle, ça faisait une boule de feu. Ah ouais. Ouais, d'accord, on est dans ce style-là. D'accord. Est-ce que je les achète ou pas? Allez, j'achète tout. Voilà. J'ai tout acheté. Là, il n'y a rien pour le moment. Direction Maître Stinger. La console détecte que tu stream et te bloque l'accès au niveau. Je crois, ouais. Mais pas l'accès au niveau. Juste à certains points du tuto. Enfin, certains points ouais, du tuto et des astuces. Juste ça. Et c'est très bizarre parce que quand vous voyez le stream, quand c'était bloqué sur ça, vous me voyez bouger. Ça change rien sur la caméra, ça change rien sur les interactions hors-jeu du stream. Et c'est juste le Streamlabs qui... voilà. Et dès que je sors de la page, ça revient comme si de rien n'était. Et je sais pas pourquoi. Alors autant sur des jeux très cinématiques comme Kingdom Hearts ou Final Fantasy, je peux le comprendre. Mais là, c'était la PlayStation qui bloque directement, ce qui est totalement normal, à mon sens. Pour éviter le spoil des viewers. Mais là, on est sur un jeu, déjà, Nintendo. Nintendo ne fait normalement pas ça. Et surtout, c'est un jeu de golf. C'est que c'est de la...
c'est des indications, c'est du tuto, c'est du didacticiel, enfin c'est des astuces. Il n'y a rien de spoil. Donc je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Non, c'est. Bon, il faut que j'aille voir Maître Stanger. Il est où? Il est en... là, ici. Bleu, c'est que je l'ai déjà fait tout ça, c'est ça? Bonjour, messieurs, dames. Un vent porteur pour augmenter la portée. C'est à faire, ça, ou pas? Un vent porteur peut augmenter plus qu'on ne s'y attend la portée du coup. Je crois pas que je les ai fait, eux. Bonjour! Ah oui, d'accord, ils ont tous des capuches. Ça veut dire que si tu appuies sur le bouton de partage, screenshot, ça marche pas. Ah, j'ai pas essayé ça. Enfin, là, oui. Voilà. Mais il faudra que je revoie quand ça bloque sur ces parties du tuto. Sur PS4, ça fait ça pour éviter les spoils. Ouais, 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 sur PS4 et donc PS5. Ça, oui, mais c'est normal. Quand c'est pour éviter un gros spoil lié vraiment à une grosse cinématique, je peux le comprendre. Mais là, clairement, quand c'est juste 3 tutos et demi... Connais-tu le formidable pouvoir que représente l'énergie? Énergie! It's golfy only. Ouais, je refais tous les jingles. Mais je sens que tu pourras en prendre conscience en suivant mon enseignement. Suis-moi donc et apprends, jeune golfeur. Ah oui, référence Star Wars. Hein. Maître Stanger. Bon, nous y voilà. Il y a au moins 2 choses que je vais pouvoir t'apprendre cette fois-ci. 3 si on y ajoute mon nom. Tu t'appelles papa Maître Stanger, c'est ça. Tout d'abord, sur un parcours de golf, tout n'est pas aussi simple qu'il paraît. Le ciel est-il d'un bleu radieux? L'eau, un piège humide pour la balle? La réponse à au moins l'une de ces questions risque de te surprendre et peut même te déranger. Mon dieu, c'est du putaclic. La réponse à au moins une de ces questions va vous surprendre. Si ton objectif était d'envoyer ta balle sur l'île de l'autre côté de ce lac, mais que le vent soufflait très fort, que ferais-tu? Si le... je taperais fort... J'irai soit en face parce qu'il n'y a pas le vent, soit j'irai à droite si je taperai dans le sens inverse. Énergie qui se prononce comme énergie, exactement. Énergie. Énergie. N. Ouais, bon, ça va. Eh bien, il te suffit de frapper ta balle sur une trajectoire basse et de la faire ricocher sur l'eau. Pardon? On peut faire ricocher la balle sur l'eau, sérieusement? Et là, tu vas sûrement t'inquiéter. Mais ma balle, elle va plonger dans l'eau si elle touche la surface. Désolé, ça n'a rien d'aussi risible. Sache simplement que si tu joues un stingé sur une trajectoire basse, ta balle ricochera sur l'eau. Essaye donc tout de suite. Prends ce club et tu as 10 coups pour faire atterrir une balle dans chacune des 3 cibles de cet îlot là-bas. Le maître vous a prêté un bois de 3 carapaces vertes. Il faut que je fasse ricocher la balle. Waouh. Comment on appelle ça? Énergie? La radio? Énergie. Énergie. Un allographe. Ah! Tu voulais dire dans ce sens-là. D'accord. Oui, oui, en effet. Oui, oui, tout à fait. Le fait que des lettres se prononcent comme un mot. Oui. J'avais pas capté que tu voulais aller dans ce sens-là, mais oui, 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 bien sûr. Tu as raison. Faut vraiment que je fasse ricocher la balle. Ouais, mais là c'est juste du practice, c'est juste pour me dire voilà, t'as ricoché la balle. Sinon normalement je le réussis pas. Ah, je me mets des effets en avant et en arrière. Ça c'est intéressant. Et plouf! Ah non. Dommage. Attendez, je m'entraîne. Je suis la reine des neiges, je cours sur l'eau. Bien. Je ne savais pas que je pouvais mettre des effets de balles en avant et en arrière. Je viens de l'apprendre. Involontairement, totalement. Parce que j'ai appuyé un peu au hasard sur le jeu ici, je le reconnais. Oui! Non! Oui, si, ça passe. Stop, stop, stop!
Stop! J'y suis, oh! C'est la triche. La voix off est blasée. Ouais, la voix off, elle est pas ouf. Et plouf! Ah. Ah non. Dommage. Bon. J'y vais moins fort. Voilà, là on est bon. Bien. Bon, j'ai compris. Bravo, tu as réussi la première partie de l'entraînement, te voilà à présent prêt à éveiller l'antique pouvoir de l'énergie qui sommeille en toi. Mais c'est quoi le rapport entre Ricochet et l'énergie? Parce que l'antique pouvoir de l'énergie est un peu comme un distributeur automatique. Rien de mieux que des pièces pour l'alimenter. Ah purée, elles servent à ça les pièces. Une fois que tu as accumulé assez d'énergie, tu peux la libérer pour effectuer un coup spécial. Essaye d'en frapper un vers ce rocher. Oh mon dieu, j'ai la fumée arc-en-ciel autour de moi! Attends, sur le rocher? Tu veux que je frappe le rocher? J'ai pété le rocher. J'ai cassé le caillou. C'est comme ça qu'on va libérer le passage, bien entendu. Ah là là, l'histoire. Tout est logique, tout est lié. Je vais mettre un point en effet. D'accord, donc c'est les pièces qui permettent l'énergie. Punaise, je savais pas ça. Tu sembles étonné d'avoir réussi. Je ne suis pas surpris, grâce à ma grande sagesse, je sais tout et je m'attends même à l'inattendu. Ce n'est pas que ta réussite était inattendue, hein. Ne te méprends pas sur mes paroles. Bref, un coup spécial à divers avantages, perturber tes adversaires ou leur balle. Ah. On va pouvoir dévier les balles des adversaires. Augmenter le carry de ta balle ou la précision de sa trajectoire. N'oublie pas, quand ta jauge d'énergie est au maximum, appuie sur L pour utiliser ton coup spécial. C'est ça le plus important. Vous pouvez désormais jouer des coups spéciaux. Une dernière chose, tu peux garder le club que tu as utilisé en souvenir. D'ailleurs, tu peux même continuer à t'en servir. Bonne chance. Vous avez obtenu un bois 3 carapace verte. Yes. Bon, j'y suis pas encore allé là, il y a pas mal de tutos à faire, encore et toujours. J'ai l'impression que ce jeu est un tuto complet. Un vent porteur peut augmenter plus qu'on ne s'y attend à la portée du coup. Tu voudrais t'exercer à jouer avec un vent de ce type? Ouais, on va essayer. Entraînons-nous à frapper des approches avec un vent porteur. Envoie ta balle dans la cible. Vas-y, on va essayer. Faut être le meilleur golfeur. Un jour je serai le meilleur golfeur. Je taperai dans la balle. Je m'insupporte. Alors, il faut que j'aille dans la cible. Ah, c'est assez précis. Hein. Ah, mais attendez, je suis en vent porteur. Non, c'est bon. Oh, c'est pas bon. Je fais 70 points. Pas mal. Allez, allez, allez. Dommage. Remportez-les tous, remportez-les tous, les tournois. Ça va finir comme dans Stardew Valley hier soir. On commençait à faire des petits airs de toutes les chansons possibles et inimaginables sur le thème de Stardew Valley, quoi. Il est bien utile cet entraînement pour gérer le vent là. Joli coup.
C'est un petit vent quand même. Oui, non. Je vise un petit peu plus. Comme ça. Un peu court peut-être, non? Ah non, dans le coup. Ah, trop court. Faut faire un yo. C'est quoi un yo? Un hit? Tu veux les dire peut-être? La touche O et la touche T ne sont pas forcément à côté. All in one. Ah! All in one, oui. Comme ça. Joli. Terme de golf de Pangia. Oh, c'est pas que du golf. Hein. Tu as réussi. Mais avec un peu plus de précision, tu aurais un score encore meilleur. Et attends, j'ai fait l'objectif, tu as pas en plus... hein. Bon, zut. Bon, à toi, qu'est-ce que tu me dis? Le vent ne fait pas que pousser ta balle plus loin ou la ralentir. Tu veux exercer... Ouais, vent, oui, vent latéral, c'est là où j'ai des problèmes. Donc oui, je veux m'exercer. Oui. Alors. Dès le départ, tu me dis qu'il faut que j'aille sur ce côté-là. D'accord. C'est peut-être un peu long. Un poil trop fort. D'accord. Trois mètres par seconde, tu le décales de un poil sur la droite. Et là, c'est pas bon. Faut que j'aille un peu plus fort. Je vais me décaler encore un peu. Est-ce qu'on est bon là? C'est déjà plus compliqué, hein. Et non, j'y arrive pas à bien viser. Je vais taper encore de ce côté-là. Mmh. Ça ne me convient toujours pas. Je vais décaler encore. Tiens, que déjà quelque chose de plus intéressant. Je vais me décaler encore. Je frappe plus fort. Ah mais mince, le vent il change. C'est pas resté à 6 mètres, c'est passé à 9 mètres. Ah, c'est vicieux. Je vais me passer, en face du sapin. Je vais taper le sapin, voilà. J'ai décidé de taper le sapin. C'est le meilleur tir que j'ai pu faire, sérieux. Ce soir, Sopot, une catégorie vocabulaire sportif. Oh mon dieu, quelle horreur. Pourquoi? Mais j'ai fini là. Pourquoi tu me dis de continuer le tuto? 74. Ok, fallait aller à 80. Finir tous les tirs peut-être. Bon, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit lui? Un vent contraire aura tendance à réduire la portée du coup. Parfois plus qu'on ne le pense. Oui, on va s'entraîner avec un vent contraire. Ça peut être utile. Donc c'est tout droit, mais avec un vent contraire. Donc tout à l'heure, j'étais à un quart de la quatrième barre. J'ai augmenté un peu. Ah, pas assez fort. Hein. Pas assez fort. Je dépasse la moitié.
Ça va. Pour l'instant, on est que sur du 3 mètres seconde. On passe à 6 mètres seconde. C'est déjà plus compliqué, il faut taper encore plus fort. Faut aller à fond en fait. J'ai peur que ça aille vite. Non, ça passe. Ah, pas mal. C'est pas mal ça. 9 mètres seconde. On le sent vraiment à la fin là, le ralentissement. Et enfin. C'est ça, dernier coup. Suspense. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon. Joli. Je vais augmenter la balle. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de sprinter. Tant que je suis dans le mode histoire, c'est de l'IA, donc c'est pas très très grave. Ensuite, il y a encore deux tutos là-bas. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ah mais c'est bon, j'ai compris. J'ai réussi à faire repartir ma balle en arrière. C'est quoi ça, l'effet backspin? Je peux passer là? Ah non. Si tu cherches à réduire la course de ta balle au sol, le backspin est la solution idéale. Je veux bien, ouais, je connais pas ça. Si tu as bien ton sand wedge, nous allons nous entraîner à frapper des coups d'approche avec un effet de backspin. Observe attentivement où est placé le drapeau. Oui. Si tu ne fais pas attention, un coup d'approche vers un trou en fond de green risque de faire ressortir la balle en roulant au-delà de la bordure. Beaucoup de greens sont en montée, ce qui signifie que si la balle s'arrête au-delà du trou, tu devras ensuite jouer un putt en descente. Oui. Alors qu'en montée, c'est plus simple. Ouais, je veux bien m'entraîner. Donc là, il faut que je fasse quoi ? Déjà, j'ai tapé le mât. Je pense que c'était pas vraiment. Frappe un coup d'approche en lui donnant un effet de backspin. Comme ça? Non. J'ai pas compris, je pense. D'accord, j'ai pas compris. Un effet backspin. J'ai rien capté.
C'est quoi un effet backspin? Je vois le principe, mais j'ai pas compris. Non. On va lire le lexique, je pense, pour en savoir un peu plus. La difficulté de bien équilibrer l'effet de backspin à la portée du coup. Backspin. Effet donné à la balle, qui la fait tournoyer sur elle-même vers l'arrière. Cette rotation la fait s'élever et flotter davantage dans les airs, puis s'arrêter plus vite qu'une balle normale, une fois au sol. On parle aussi d'effet rétro. D'accord. Je vais réessayer. Donc en gros, c'est de lui dire que je vais là. C'est ça. Alors, peut-être pas comme ça. Et non. Et si je lui dis d'aller plus loin. Mais non, là je prends le mal. Pas ça. J'ai pas compris. Bon, ça je sais pas faire. Et enfin... Oh tiens, il y en a aussi là. Donc là, c'est le top spin. D'accord. Comme tu peux le voir, nous avons ici un green en pente. Tu remarqueras aussi que le trou est situé au fond du green. Pour gérer une solution pareille, une solution consiste à effectuer un coup qui va envoyer la balle rouler sur le green avec un putt. On va aller plus loin. Non. Un effet de top spin fera rouler davantage la balle sur le sol une fois qu'elle a atterri. Augmentant, ok. Appuyez deux fois au moment de définir la puissance pour imprimer à la balle un effet de top spin. D'accord. Un effet de backspin fera s'arrêter plus rapidement la balle une fois qu'elle atterrit, réduisant ainsi sa course. Appuyez au moment de... Appuyez sur tac au moment de définir la puissance d'un coup pour imprimer à la balle un effet du backspin. Ah, d'accord. Bon, là, on est sur du top spin. Du coup. C'est ça? C'est pas du tout ça. Mais pas du tout. Alors. Ok, c'est pas ça non plus.
J'ai pas compris. Sur le principe, enfin sur le papier, de la théorie, ça va. Mais en pratique... D'accord, j'ai qu'à prendre le mât aussi. Bon, je vois l'idée, mais j'ai pas tout capté. Hein. C'est pas grave. Rendez-vous à Rocadune. Obligé de passer par là. Oui. Je viens d'apprendre que la route de Rocadune est ouverte. Allez, c'est parti. Mais avant ça, magasin. Tout est acheté. On s'en va. Journal de l'aventure, et c'est le moment de mettre un petit marqueur dans le chat pour YouTube. C'est beau. Attends, je laisse ça, je me le marquerai après. Allez, bisous YouTube.